En 2009, Élise Lucet, donc journaliste sur la chaîne publique, a fait un reportage mettant en avant ces problèmes de dissémination de déchets uranifères. Et il y a eu un tollé à ce moment-là général. Et suite à ce tollé en France, le ministre de l'écologie Borloo, à ce moment-là, a décidé donc de faire en sorte que Areva fasse des contrôles sur ces différents sites. En tout premier lieu, il y a eu donc un survol en hélicoptère. Donc effectivement, localement, la presqu'île a été survolée en hélicoptère et du vol hélicoptère est apparu différents points qu'on peut appeler donc des points chauds. Un collectif donc a été créé en presqu'île qui est constitué donc de 3 associations locales et de particuliers. Qu'est-ce qu'on a décidé ? 3 objectifs de ce collectif-là. Tout d'abord, mettre sur la place publique l'existence de ces minerais, de ces remblais disséminés de part et d'autre. Et donc, nous avons fait une réunion publique en plein hiver à Piriac en février 2015 et qui a réuni plus de 200 personnes. Donc, qui montrait bien évidence que ce dossier-là sensibilisait beaucoup la population. Dans un deuxième temps, lors de cette réunion publique, les responsables d'Areva, qui étaient présents, que nous avions invités au même titre que la CRIRAD, nous ont dit, écoutez, nous sommes prêts à nettoyer les sites, mais prouvez-nous qu'il y a effectivement de la radioactivité à un niveau suffisant pour qu'on se déplace. Donc nous étions dans l'obligation, quelque part pour répondre à ça, à avoir un appareil. Nous avons donc demandé à des élus et ainsi qu'à des collectivités locales de nous subventionner l'achat de cet appareil-là puisque nous n'avions pas de budget à l'origine. Alors c'est un DG5 qui est utilisé donc autant par Areva que par la CRIRAD et qui donc mesure la radioactivité en différentes unités possibles. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails au niveau technique. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle et grâce à ça nous allons pouvoir faire nos contrôles citoyens. On va appeler ça contrôle citoyen. Donc voilà. Et le troisième élément, et là aussi nous avons obtenu satisfaction, donc c'est nous souhaitions la mise en place d'un comité de suivi. Et ça, c'est le préfet qui a décidé ça. Et nous, là-dessus, nos 3 objectifs sont atteints. Mais, il reste quand même donc du travail à faire, parce que nous, dans la mesure où lors de la venue donc de la CRIRAD en avril donc de cette année a été mis en avant donc des points particuliers comme ici nous sommes sur à Guérande au le chemin du bout du bois et qui a révélé donc un point extrêmement chaud. Non, Areva, elle fait une moyenne. On ne sait pas exactement comment elle fait cette moyenne, mais si vous prenez un point chaud comme ici, il est brûlant, hein, il est chaud brûlant, hein, c'est vraiment très violent. Et qu'après vous faites une mesure et vous étendez la moyenne à tout le champ de blé qu'il y a autour et tout le reste. Ben, il est noyé dans la masse. Là-bas, c'est zéro, ou pas grand-chose du moins. Et là, c'est chaud bouillant. Mais à une moyenne, ça ne signifie plus rien à ce moment-là. Donc, il faudrait qu'on ait la définition exacte de la façon dont ils font la moyenne. Est-ce qu'ils la prennent sur 1 mètre autour, 100 mètres autour? Prenez un point chaud comme ça, le seul en France, et vous faites une moyenne sur la France. C'est zéro, hein. Il n'y a aucune radioactivité. C'est peut-être un caillou qui est gros comme mon poing. Ou c'est peut-être quelque chose de plus important. Il faut qu'il l'enlève et qu'il le retraite. C'est-à-dire qu'il le mette dans un dépôt agréé. C'est quand on se rapproche de là. Voilà, c'est là, c'est là. Il est là, 200 000, tu l'as. Non, là, tu reviens vers moi. Reviens là. Voilà, c'est là. Ce que nous avons appris, et ça c'est inadmissible, c'est qu'en 2015, Areva avait fait ces mêmes mesures-là et savait qu'il devait nettoyer. Un an après, ça n'a toujours pas été nettoyé. En avril 2016, nous avons découvert cette pépite-là, hein, et c'est toujours pas nettoyé. Et là, ils ont annoncé qu'ils allaient nettoyer fin 2016, probablement début 2017. Faute de moyens financiers.